Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un carrousel Instagram de ce type qui va vous permettre de créer un effet un peu infini de zoom sur vos photographies, qui va vous permettre également de montrer beaucoup plus de détails sur vos images. Et on va également voir les bons réglages à utiliser pour que notre photo s'affiche de la meilleure qualité possible et de la plus grande taille possible sur Instagram. Alors c'est un effet qui est très facile à paramétrer et à utiliser mais qui demande un petit peu de temps. C'est pourquoi je vais également vous offrir dans cette vidéo des automatismes sous Photoshop qui vont vous permettre de recréer cet effet en un seul clic et pouvoir exporter facilement et rapidement vos photos. Alors moi je trouve que c'est un effet intéressant parce que sur Instagram lorsque l'on a une taille d'affichage... Comme ceci, c'est assez petit, on ne voit pas forcément tous les détails. Et moi, j'aimerais bien pouvoir proposer à mes abonnés de voir vraiment tous les détails du papillon, par exemple sur cette photographie. C'est pourquoi je crée ce genre d'effet avec un gros zoom qui va être effectué sur l'image. Et vous voyez que là, je vais avoir un effet un peu infini. En fait, on a trois photos qui vont être zoomées, mais on va avoir une liaison absolument parfaite, ce qui fait qu'on va avoir un scroll infini, mais ça nous permet vraiment d'aller chercher du détail très important dans notre photographie. Alors, j'aime bien faire trois zooms ici au format portrait, mais également apporter une dernière image avec des bords blancs qui va me permettre d'afficher ma photographie dans un format plus classique puisque sur Instagram, les photos sont généralement croppées, on va pas avoir la taille originale du, euh, de la photo, donc j'aime bien aussi terminer par une photo avec le format final, avec les bonnes dimensions telles que je l'ai décidé sur mon logiciel. Donc allez c'est parti, on va voir comment recréer cet effet avec cette photographie au, forma au format portrait. Vous voyez que si je zoome dans cette image, on a énormément de détails qu'on ne voit pas si on est à un zoom plus standard, donc on va créer cet effet de zoom infini sur Instagram. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette photographie dans Photoshop puisque c'est un effet qu'on va devoir recréer dans Photoshop donc je vais faire un clic droit sur l'image et aller cliquer sur modifier dans Adobe Photoshop donc on se retrouve dans Photoshop et la première chose à savoir c'est à quel format à quelle taille Instagram va afficher nos photographies puisqu'il faut savoir que lorsque l'on va uploader des photos sur le réseau social, eh bien, il va automatiquement les redimensionner si elles ne sont pas à la bonne taille. On va donc avoir une perte de qualité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement quelle taille de photographie Instagram recommande afin de garder la meilleure qualité possible et surtout la taille d'affichage la plus grande dans le fil d'actualité. Donc, pour savoir ça, c'est très simple. J'ai tout simplement tapé dans Google taille des images dans Instagram. Il y a beaucoup de sites qui référencent justement ce genre d'information et on voit que la taille idéale pour une publication au format carré de 1080 pixels par 1080 pixels sauf que moi c'est un format carré qui ne m'intéresse pas je trouve que c'est pas forcément un format qui me convient je préfère garder un ratio plus classique pour une photo au format paysage au format portrait alors là on est sur une fois un format portrait donc on voit ici que les formats portrait doivent mesurer 1080 pixels de large par 1350 pixels de haut soit un rapport de 4 5e donc si vous photographiez dans des ra... dans des ratios plus classiques c'est là que vous allez en fait avoir une partie de l'image qui va être retirée par Instagram. C'est pour ça également qu'on va créer une dernière image qui va nous permettre de garder ce ratio initial dans notre photographie. Donc on va faire tout de suite la première étape, c'est que l'on va créer l'image principale d'Instagram, donc à 1080 pixels par 1350 pixels de haut. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un nouveau document. Je vais faire le raccourci contrôle plus N et je vais donc aller indiquer ici 1080 par 1350. Je vais également profiter pour renommer ce fichier image principale Instagram et je vais appuyer sur créer pour valider mon document. Pour venir insérer cette photographie dans le nouveau document que j'ai créé, je vais tout simplement faire un cliquer glisser afin de venir le mettre dans cet affichage là. Alors là bien évidemment la photographie est beaucoup plus grande parce que mon fichier de départ était beaucoup plus grand donc ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL plus T afin d'activer ici mes cadres de redimension et je vais donc adapter ma photographie au portrait, au document que je viens de créer. Donc je vais le placer ici au milieu et je vais venir rétrécir mon image pour l'adapter parfaitement. Au document. Alors là on va avoir des bordures blanches autour. Donc ce qu'on va faire c'est que l'on va agrandir un petit peu notre photographie afin de remplir complètement le cadre et on a donc notre image principale qui a été créée. Donc ça c'est l'image numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, c'est celle qui va s'afficher en premier dans le fil d'actualité. Le fait d'être vraiment dans un format de 1080 pixels x 1350, ça va faire que notre photographie va s'afficher dans la meilleure qualité possible sur Instagram et surtout dans la taille la plus grande dans le fil d'actualité. Et ça c'est intéressant parce que ça va permettre à notre photographie de ressortir par rapport aux autres. Donc maintenant qu'on a fait l'image principale, on va s'occuper maintenant des triples zoom donc ça va être très simple on va recréer en fait un nouveau document avec exactement les mêmes dimensions sauf que l'on va tripler la largeur pour pouvoir créer ensuite trois photos différentes au même format donc je vais vous montrer ça tout de suite donc on va aller dans fichier nouveau et je vais ici indiquer donc une large une hauteur pardon de 1350 donc on va garder exactement la même hauteur par contre au niveau de la largeur on va faire 1080 3 ce qui nous donne une valeur de 3240 pixels sur 1350 pixels de haut donc je vais l'appeler ici triple zoom comme ceci, je vais appuyer sur créer pour créer mon document et là vous voyez qu'on va vraiment avoir un format qui est beaucoup plus large parce que on a trois fois la largeur de 1080 pixels. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir insérer ma photographie d'origine, donc je vais retourner sur mon document. Je vais faire pareil, un clic et glisser sur le nouveau document triple zoom et maintenant je vais venir placer la photographie comme je le souhaite afin de créer mon zoom. Alors pour nous aider un petit peu et savoir à quoi vont correspondre nos trois photos différentes, on va maintenant créer des règles ce qui va nous permettre de positionner très précisément notre papillon pour obtenir l'effet désiré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans affichage nouveau repères. Je vais sélectionner l'option verticale et dans la position, je vais mettre un premier repère à 1080 pixels de distance. C'est à dire que là, il m'a créé un repère qui part de la gauche et qui est à exactement 1080 pixels. C'est très important d'être extrêmement précis avec ça parce que si vous avez des pixels de décalage, ça va vous créer un décalage sur votre effet de scroll. Donc là, j'ai mon premier repère. Je vais en créer un deuxième maintenant pour avoir la dernière séparation. Donc je vais, pardon, aller dans affichage, nouveau repère et je vais donc mettre un deuxième repère à 1080 pixels x2 pour avoir mon deuxième tiers qui va apparaître sur l'image donc ça va être à 2160 pixels je vais cliquer sur ok et maintenant on a bien notre image qui est séparée en trois donc maintenant que j'ai fait ça je vais replacer un petit peu plus mon papillon pour essayer de créer justement l'effet que je veux donc il faut vraiment prendre en compte que ici on va avoir trois photos différentes donc on va placer notre sujet afin d'avoir trois photos différentes qui nous intéressent et peut-être que je peux aller zoomer un tout petit peu plus parce que on a beaucoup de détails sur cette photographie donc je vais aller créer un zoom peut-être un petit peu plus important comme ceci. Je vais valider mon recadrage. On va zoomer un petit peu plus dans la photo pour voir le résultat. Vous voyez qu'on va avoir vraiment un détail hyper intéressant sur les ailes et sur les yeux. Et maintenant, on va s'occuper du découpage puisque Photoshop va avoir une fonction assez automatique qui va nous permettre de découper ces images en trois parties différentes. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais ici aller dans ma colonne de gauche et dans cette icône-là de recadrage, je vais laisser appuyer le clic gauche de ma souris pour aller activer l'outil tranche qui se trouve ici. Donc c'est l'icône avec un espèce de cutter qui va nous permettre de séparer vraiment notre image en trois images différentes. Donc je vais activer cet outil tranche et maintenant je vais créer une sélection. Donc je vais faire un cliquer glisser sur la première partie et comme on a mis des repères sur notre photo, on va avoir un effet de magnétisme. Si je me rapproche ici, paf, automatiquement ça va venir coller à notre repère, ce qui va nous permettre vraiment de découper cette première photo extrêmement précisément au pixel près. Donc je vais relâcher le clic gauche de ma souris afin de valider ma première sélection. Donc là on voit qu'on a une sélection 1 qui a été créée et je vais refaire exactement la même chose. Avec la deuxième pour créer une deuxième sélection et maintenant je vais faire exactement pareil avec la troisième pour créer une troisième tranche et décomposer ma photographie en trois. Alors là, on a l'impression que c'est pas découpé en trois. En fait, il va falloir l'exporter d'une certaine manière pour pouvoir créer trois fichiers différents. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller dans Fichier, Exporter. Enregistrer pour le web, ça va m'ouvrir ici cette nouvelle fenêtre. Et maintenant, je vais aller sélectionner dans les paramètres prédéfi prédéfinis. Je vais sélectionner le JPEG. Je vais sélectionner également une qualité à 100% pour vraiment avoir la qualité maximale sur Instagram. Je vais également choisir convertir en SRVB. Alors les profils colorimétriques, je ne vais pas en parler, mais il faut savoir que sur internet, et eh bien les photos sont automatiquement converties en srvb. Je vais cliquer sur enregistrer. Je vais aller créer un nouveau dossier sur mon bureau. Donc je vais l'appeler découpe. Instagram, donc chez vous vous pourrez le faire exactement à l'endroit où vous voulez sur votre ordinateur. Je vais rentrer dans ce dossier-là et je vais donc maintenant cliquer sur Enregistrer afin de valider euh, l'exportation des trois photos. Et vous allez voir que maintenant si je vais dans le dossier que je viens de créer, donc je vais retourner sur mon bureau et je vais aller ici dans le dossier découpe Instagram, à l'intérieur je vais retrouver un dossier qui s'appelle Image et j'ai bien trois photos différentes qui ont été exportées au pixel-près. Là c'est vraiment, vraiment au pixel-près ce qui va nous permettre de créer justement cet effet infini sur Instagram mais ça nous permet de très rapidement découper notre photo en trois parties différentes. Alors maintenant qu'on a fait ça, il nous reste plus maintenant qu'à faire la dernière image. Souvenez-vous, c'est celle avec les petites bandes blanches que l'on va avoir autour de notre photo qui va nous permettre en fait d'afficher sur Instagram notre photo dans le ratio de base de notre photographie. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va recréer à nouveau un nouveau fichier. Donc je vais faire fichier nouveau et là je vais indiquer 1080 pixels de large pour 1350 pixels de haut. Je vais appuyer sur créer et maintenant on va venir importer à nouveau notre photo d'origine. Donc je vais retourner sur ce dossier-là, je vais sélectionner mon outil déplacement et je vais faire un cliquer et glisser sur le nouveau document qu'on a créé. Là bien évidemment, l'image est beaucoup trop grande, donc je vais dézoomer un petit peu dans ma photo. Je vais faire CTRL plus T pour activer le redimensionnement et je vais donc maintenant venir adapter ma photographie à mon nouveau format. Donc maintenant que ma photo est bien placée, je vais valider le recadrage et le redimensionnement. Et vous voyez que là on va bien avoir notre photographie qui va s'afficher dans un ratio plus classique, dans le ratio d'origine, mais du coup on va avoir les bandes blanches, mais c'est pas grave, moi je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir l'aspect, le ratio d'origine de la photographie. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à exporter cette photographie. Donc je vais aller faire fichier, exportation, enregistrer pour le web. Je vais sélectionner une nouvelle fois JPEG qualité 100% convertir en SRBB. Je vais cliquer sur enregistrer et je vais le mettre dans mon dossier découpe Instagram, donc là on a ratio d'origine donc je vais cliquer sur enregistrer, je vais faire également pareil avec l'image principale d'Instagram parce qu'on ne l'a pas encore exporté, donc celle qui a un ratio un petit peu plus différent que le ratio d'origine, donc je vais faire pareil je vais faire fichier, exporter enregistrer pour le web, je sélectionne JPEG qualité 100% converti en SRVB et je vais l'enregistrer dans mon dossier, donc si on va maintenant dans le dossier qu'on a créé, on voit qu'on a bien l'image principale celle avec le ratio d'origine et un dossier qui comporte nos trois photos, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à importer ces photos sur notre téléphone et d'aller les publier sur Instagram pour vérifier que ça fonctionne bien donc ça y est j'ai transféré mes photographies sur mon téléphone portable donc on va vérifier que tout ça fonctionne bien en allant publier nos images sur le réseau social alors moi pour faire ça j'aime bien utiliser plutôt l'application business suite donc c'est ce que je vais faire je vais utiliser ici business suite je vais créer une nouvelle publication donc je vais cliquer sur publier je vérifie que je suis bien ici sur Instagram et non sur la page Facebook je vais aller chercher les photos que j'ai importées donc elles se retrouvent ici donc on a bien à cet endroit là la photo principale, le zoom numéro 1, faites attention au sens de vos zooms, donc le zoom numéro 1 le zoom numéro 2, le zoom numéro 3 et enfin la photographie dans son ratio d'origine. Donc une fois que j'ai sélectionné toutes mes photographies, je vais cliquer sur terminer. Alors là, l'avantage de la Business Suite, c'est qu'on peut enregistrer des euh, tags prédéfinis en venant cliquer ici sur cette petite icône je peux aller choisir par exemple le groupe macro photographie, puisque là c'est une photographie de papillon, qui va me permettre d'ajouter automatiquement tous ces tags sur mon post Instagram. Donc je vais cliquer sur ajouter et maintenant je vais cliquer sur suivant pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on a un aperçu de la publication. Donc c'est vraiment comment va s'afficher vos photos sur Instagram lorsque l'on va les publier. Et donc là, si je scroll vers la droite, vous voyez qu'on a bien notre effet infini avec énormément de détails, surtout une qualité maximale sur nos photos. Donc on a le troisième zoom et enfin on va avoir la photographie dans son format d'origine. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur publier pour valider la publication. Donc une fois que c'est publié, on va vérifier sur Instagram que tout a bien fonctionné. Donc je vais aller directement. Dans Instagram, on voit la, la publication qui est affichée. Vous voyez qu'elle prend vraiment beaucoup d'espace dans le fil d'actualité comparé à d'autres photos qui vont être plutôt dans des formats carrés. Ici, comme on a utilisé les bons ratios recommandés par Instagram, on a la photographie qui s'affiche en grand. Donc là, on a notre photo d'origine, notre premier zoom, notre deuxième zoom et notre troisième zoom qui fonctionne bien. Et également la photographie dans le ratio d'origine. Et là, maintenant, si on vient zoomer ici, sur notre photographie, vous voyez qu'on a énormément de détails et beaucoup de qualité sur notre photo. Donc voilà comment créer un effet carousel dans Instagram. Alors vous pouvez voir que c'est assez facile à faire, mais que ça peut être un petit peu fastidieux si vous devez faire ça sur chaque photographie, sur des dizaines et des dizaines de photos. C'est pourquoi j'ai créé des presets, des actions automatiques dans Photoshop qui vont vous permettre de faire ça automatiquement en un seul clic. Vous pourrez les télécharger soit en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle photo dans Photoshop par exemple je vais partir sur celle-ci je vais faire modifier dans modifier dans Adobe Photoshop donc voilà la photo a été importée dans Photoshop maintenant ce que je vais faire c'est que je vais charger l'action automatique que j'ai créé afin de recréer vraiment cet effet donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans fenêtre action ce qui va m'ouvrir ici cette fenêtre là. Et donc là, j'ai un dossier qui s'appelle Post Instagram Pose Nature et à l'intérieur, j'ai deux actions différentes. J'ai l'action pour le format portrait et le format paysage. Mais maintenant, si je viens cliquer sur le format portrait et que je lance mon action en cliquant ici sur le bouton de lecture, eh bien, vous allez voir que Photoshop va me faire plein de manipulations différentes et qu'il va me recréer tout ce qu'on a fait précédemment en un seul clic. Alors là, je vais fermer ici l'onglet Action et vous allez voir que Ici, je vais avoir donc ma photo d'origine qui est ici. Je vais avoir mon triple zoom. Donc, je vais avoir exactement le bon format avec les repères qui ont été créés et également les tranches qui ont été créées automatiquement. Là, ce qui m'aurait juste à faire, c'est bien évidemment de replacer Ma photographie comme je le souhaite. Je vais également avoir la photo principale, donc celle qui va s'afficher en premier sur Instagram. Pareil, je peux également la repositionner un petit peu et je vais également avoir la photographie avec le ratio d'origine qui va être automatiquement redimensionné aux bonnes dimensions et qui va être centré sur l'image. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire. Cette action permet vraiment d'automatiser ça. Donc maintenant il me reste plus qu'à venir exporter toutes ces photographies comme on l'a vu précédemment. Donc fichier, exportation, enregistré pour le web. Je vérifie que mes sont bons, je clique sur enregistrer. Là, je vais créer un nouveau dossier papillon bleu. Et je vais cliquer sur ouvrir, enregistrer pour valider. Et vous allez voir que vous n'avez plus besoin de vous embêter à créer les découpes parce qu'elles ont été créées automatiquement. Si je vais dans mon dossier papillon bleu, image vous voyez qu'on a bien les découpes qui sont faites. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous aura permis de découvrir un effet qui est très sympa à utiliser sur Instagram. Alors si vous avez apprécié cet effet que vous aimeriez le reproduire chez vous, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les actions automatiques que je viens de vous montrer juste à l'instant. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de gauche qui vient d'apparaître à l'écran pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement des presets automatiques. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube.